Salut à tous et à toutes, c'est Dylan Ord et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pour vous dire qu'il y a deux nouvelles armes dans le marché noir. Donc pas des nouvelles armes de distance, donc ça fait pas plaisir, hein, c'est dommage. Mais on a des armes de mêlée, deux armes de mêlée plus précisément. Donc premièrement on a la pelle, donc que je vous montre à l'écran, la pelle qui est tout simplement une pelle, hein, tout simplement comme dans Battlefield 1. Donc elle a l'air intéressante, mais c'est pas elle qui m'intéresse, c'est la prochaine arme, voilà, qui est l'épée. Donc un katana en gros, le katana de Takeo. Et le katana de Takeo, eh bien lui, voilà, j'ai envie de l'avoir. Lui j'ai envie de l'avoir, on a déjà eu une épée dans Black Ops 3 au début de l'année. Mais là, ça c'est un katana et l'animation elle est pas mal stylée. J'ai vu des gameplays, l'animation je l'adore, hein. J'ai envie de l'avoir, mais je vais pas faire l'ouverture de pack de ravitaillement que j'avais dit. Je vais pas le faire tout de suite, je veux attendre vraiment qu'il y ait des nouvelles armes de distance pour pouvoir faire mon pack opening super gros. Donc ça va pas être pour tout de suite, mais voilà, on a deux nouvelles armes pour l'instant dans le marché noir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like à la vidéo si vous l'avez aimé et de vous abonner à ma chaîne pour avoir beaucoup plus d'informations sur Call of Duty Black Ops 3, Call of Duty Infinite Warfare, Call of Duty 4 remasterisé et même Modern Combat Versus et Modern Combat 5. Et moi je vous dis à la prochaine, allez ciao.